Get the gates open! We've got wounded! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. You've been good to me and my family. You saved Duck from those monsters. And you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that. No one's trying to cut you out of anything. Those look like the people who raided my camp. Calm down, you're paranoid. Fuck you! Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? That's right. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make it! Kenny! What the fuck?! Sounds like a car. It's a shitload of food and supplies back here. We have to take this, Clementine. We need it to survive. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. Looks like this is our lucky day. Yeah, maybe. They tend to take us by surprise. Yeah, well, the less I see, the happier I am. Made up your mind yet? About what? When it comes to the getting the hell out of Macon, I bet you're in the let's stay put camp considering I've been pushing everyone to leave. We should go. Motel's run its course, and it's not safe. Well, if that's what you think, you should probably fucking speak up. Lily's dug in. Okay, just like last time. Over the rig, into the pharmacy, and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. Hey, we're out of options. Something's better than nothing. Shit. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. Bonjour à tous, c'est Yoplay, bienvenue dans la partie 1 de l'épisode 2 rebaptisé Une longue route à venir de notre let's play sur The Walking Dead. Nous sommes sur l'épisode 2, je l'ai peut-être déjà dit. Et donc nous sommes de retour avec Lee et Kenny, c'est Kenny, oh là là, ça y est, j'ai du mal. Pour de nouvelles aventures, j'ai pas besoin de vous refaire le speech de ce qui s'est passé la dernière fois puisqu'on a eu le résumé, tout simplement. Quoi qu'il en soit, il faut toujours se méfier de cette bande de bandits. Elle l'a cité, la dame que nous avions d'ailleurs tuée, enfin la famille de fermiers l'avait tuée précédemment. On avait découvert d'ailleurs une vidéo nous concernant d'ailleurs la dernière fois, par rapport à Clémentine, comme quoi qu'il fallait la protéger. Enfin, j'ai pas trop compris encore cette histoire. J'ai l'impression, par contre, qu'on est surveillé. Et nous avions aussi survécu à cette bande de cannibales qui étaient donc les fermiers qui nous avaient proposé un deal en échange d'essence. Ils nous proposaient à manger. Mais ce n'était autre que notre collègue Marc, je crois de tête, que nous allions bouffer. Et on a terminé tout ça, pas dans la douleur, mais pas loin. Donc, visiblement, là, on était en train de parler justement à Kenny, et j'ai l'impression qu'on se prépare doucement à partir du camp. Nous sommes toujours au motel, donc.
Et il me semble que ça serait quand même une bonne idée de s'éloigner de tout ça. De toute façon, on tiendra pas éternellement... On tiendra pas éternellement dans cet hôtel. Il va falloir trouver un autre moyen pour bouger. Ça roule. Alors, peut-être un petit point aussi sur la situation actuelle. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur une trilogie de let's play horrifique sur la chaîne, en tout cas, avec The Last of Us, hein, qui avait commencé, suivi par The Walking Dead, et qui sera aussi suivi, lui aussi, de Resident Evil. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire tout simplement que ça y est, j'ai terminé, mais depuis déjà un petit moment, le tournage complet de The Last of Us. Il est fini. Il me reste plus que quelques petits épisodes à tourner au moment où je vous parle. Au moment où je tourne cette vidéo, pour vous, en fait, vous serez en train de regarder l'épisode 2, la partie 2 de l'épisode 2 de The Walking Dead. Donc, en gros, à peu près 2 semaines plus tard pour vous. Mais voilà, je prends un petit peu d'avance. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai terminé officiellement le let's play sur The Last of Us. Il me reste juste un épisode à tourner. Le dernier d'ailleurs du DLC Left Being. Il n'y a plus grand chose, en gros, il n'y a plus grand chose à faire sur cet épisode. Il sera d'ailleurs présent. Il apparaîtra ce dernier épisode, je pense, et j'espère, autour des fêtes de Noël. Donc pour vous dire hein, que ça sera vraiment pas tout de suite. Donc en gros, les défauts des épisodes précédents seront les défauts de demain aussi, puisque The Walking Dead sera un petit peu plus avancé finalement dans le temps, et j'aurai eu le temps, les petits défauts mineurs que je trouve sur certaines vidéos, eu le temps de les rectifier, de les corriger. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu, mes petits amis. En tout cas, comme d'habitude, je suis ravi de vous retrouver. Une pensée très forte aussi à Yann Solo Gaming, qui est toujours là, qui soutient la chaîne, qui est aussi YouTuber. Et il m'avait fait, il y a quelques temps d'ailleurs, un petit coucou dans une de ses vidéos. C'est aussi pour ma part l'idée de rappeler aussi que c'est un autre YouTuber qui est à peu près dans ma catégorie et qui fait des vidéos assez complémentaires des miennes. C'est pas tout à fait le même style, mais c'est aussi très très sympa. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs, puisqu'il avait fait la même chose. Et c'est un juste bon retour des choses. Et je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Un bonjour aussi à Yenzao Nkai, toujours là, toujours présent. Merci à toi. Merci à toi, poteau. Ça fait toujours plaisir de voir tes petits commentaires un petit peu partout sur la chaîne. Merci beaucoup, en tout cas à vous deux, et merci à vous qui rejoignez sans doute peut-être la chaîne ou qui regardez mes vidéos, mais que j'ai pas cité. Voilà. Dans tous les cas, c'est une aparté pour 2 personnes, mais globalement, merci d'être là, mes petits amis, et de regarder ces vidéos et d'être présent sur la chaîne plus généralement. Allez, on va essayer de trouver une solution parce que là, j'ai l'air bloqué. Ok. Bon, on va essayer de trouver une solution. J'ai l'impression qu'on pourrait quand même bouger ce truc. Mais quoi, c'est trop lourd en fait, c'est ça ? Peut-être déblayer un truc comme ça ? Ouais. Ça me paraît pas terrible cette histoire. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. J'ai vu. C'est bon. J'ai vu. Lily's not doing so good, huh? Bah oui, tu as abattu son père, hein, c'était précédemment d'ailleurs. Non, ce n'est pas la vérité. Je ne suis pas d'accord avec toi, Kenny, sur ce point. Ça a l'air lourd, hein. Hop. Alors, est-ce qu'on peut, du coup... le pousser maintenant? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Certainement le pousser, le bordel. C'est quoi qu'il y a sur le pneu, là? J'ai vu hein, une interaction avec le pneu. Ah, c'est crevé. Ça, c'est emmerdant, en effet. Les filles sont encore avec toi pour agréer de prendre cette chose de la station wagon? I haven't asked. You even talk to that girl anymore?
Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it fazed him. Of course it did. It was a scary situation for him, Sean dying and all. I'm just worried he'll always think it was his fault. Non, c'était pas ta faute. You're up for this. Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. Shit! Ah oui. Jesus. You okay? No, Dick, I'm shot. Now get off here. On lui demande si ça va bien, il nous traite de pauvre con. J'aime de moins en moins Kenny, hein. Franchement, c'est pas cool. Help me! On va essayer de l'aider, peut-être. Oh God! Oh God! What the hell is that? A walker? Walkers don't scream, do they? Jesus, I don't think so. Oh là là, s'il faut que je tire là, continue à bouger, cette fille va tous nous faire tuer. C'est une fille, il faut qu'on l'aide. We have to help her. How? There's no getting to her. We gotta do something. On va essayer d'aider quand même. Ah bah non, c'est trop tard. Bon, elle s'est fait bouffer. Fuck. We gotta shoot her. Put her out of this. Bah oui, maintenant. What do you mean? I mean, we leave her alive, and she draws them all to her, buying us time. Yeah. Think about it. We're always worrying about the ones we can't see. She stays alive and brings them all out of their holes. Kenny a toujours un sens assez sympa, je trouve, puisque moi je réagis complètement à l'inverse de ce qu'il pense. Voilà. Moi je vais lui tirer dessus tout simplement pour éviter qu'elle souffre davantage. Et elle se relèvera pas, du coup. Eh ouais, bah oui. Allez, maintenant il va falloir qu'on fuit. De toute façon, c'est notre vie qui est en jeu là, hein, donc c'est pas la sienne. C'est terrible. Ah bah. Kenny qui avait tué Larry, le père de. Je sais plus comment elle s'appelle. Incoming. Come on, Lee. La mistinguette là. Il avait fait une crise cardiaque. It's sturdy as hell, but we ain't got much time. Get everything you can out of these racks. Don't forget on any counter this time. I'll clear down here and then we procéder go. Au massage cardiaque. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, mais bon, c'est pas grave. On ramasse tout, c'est ça? Je sais pas. Des médicaments peut-être, ok. Et donc, bah, il bougeait, hein, tout simplement. Il était pas mort, quoi. Et il a décidé de... Comme vous l'avez vu dans la séquence. Bon, alors là, ça a l'air assez tendu, quand même, j'ai l'impression. Je suis pas encore trop rentré dans le jeu, là. Il va falloir que je m'y mette assez rapidement. Parce que, visiblement, le temps est compté. Oula. Je suis pas sûr d'avoir tout ramassé. Come on, Lee. Up and over. We're still clear. Let's hustle. Kenny, help! Didn't you?
You're back. Ben found some stickers in a drawer, and I put them on my walkie. Hey, sweet pea. That's neat. I'll find you in a minute. Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? We might as well leave a sign out that says the men are gone. Come and rape our women and children. Huh. So, what did you get? Just what was left. Maybe could have got more. Half of it's probably expired. It just wasn't a lot left. This it? Yeah, well, we've been picking Macon clean for weeks. Which is why I've been saying, and I don't want to sound like a broken record here, but we gotta hit the road. Because piling into an RV with you after what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? You know I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. Take a look at the wall, Lily. That's not graffiti. Those are bullet holes. And we got enough arrow shafts sticking out of it to dry our laundry. We do whatever is best for the kids. Doesn't that make sense? It's suicide out there. We'll die in here. You're right. You could see someone sleeping and kill one of us. At it again, are we? Can it, Carly? Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group, though. And I don't think you're capable anymore. We're strongest together. I know you think I'm on her side, but there are no sides, damn it. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. No, because Lee knows how to take care of people, not just things. We deal with shit as it comes, just like we always do. And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night? What then? You just gonna deal with that? Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace, of not hearing it. We wouldn't even be fighting about our medicine and supply stocks if Lee hadn't fucked up downtown. What do you mean? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She was making enough noise that we would have had plenty of time to get what we needed. Instead, smart guy shot her. He what? He put her out of her misery. Stupid. I couldn't let her suffer. We're all suffering. Some more than others. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. Y'all should be giving Lee hell for not doing what needed to be done. It's not so easy for him. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers, and the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth, and it's coming this way. It's not going to be easier out on the road! How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right, stealing! And I know the list of people I can trust here gets smaller every day! Now everybody get out! She's right, you know. Shit's just getting worse by the day. Whatever, Lee. You've picked your sides. Ken, that's not fair. All I know is, whenever this shit happens, I'm the fucking bad guy. I'd like a thank you for once. For once! Things are coming to a head. You could say that. Well, I think you did good today. And I find myself thinking that most days. Thanks. It's probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Bon, eh bien, la situation du groupe part vraiment en lambeaux. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je voulais donner à Kenny d'être son concurrent ou
C'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Je pense qu'il y a du bon à prendre chez les deux et finalement on s'est pris plutôt parti pour la mistinguette. Bref, tout ça se complique grandement pour cette première partie. Mes petits amis, on va s'arrêter tout simplement là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à revenir sur cette aventure. Je ne sais pas trop où tout ça va nous mener. Quoi qu'il en soit, c'est que je pense vraiment qu'il faut quitter ce motel avec ce passé un peu pourri là, dans lequel ils sont un petit peu forgés. Et n'hésitez pas non plus pour les abonnés à activer bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand les vidéos elles sortent. On se retrouve donc dès demain. Rappelez-vous, hein, c'est quasiment tous les jours pour The Walking Dead, du lundi au vendredi à 16h, pour la suite des aventures de Lee, de Clémentine et de tout ce groupe qui commence à petit se dissoudre. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Allez, salut, bye!